Ça y est, je monte. Enfin, je monte. Je continue de monter. Oh non, c'est bien plus haut que je ne le croyais. Alors, est-ce que tu as une vue de tout Springville là-haut, Scoop? Oui, une très belle vue, Ben. Ouh, et à quoi est-ce que ça ressemble? Un grand espace vide. On dirait bien que cette expérience n'est pas celle qu'il attendait. Bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer la cage d'ascenseur et... Aide! Oh, on dirait la voix de Scoop. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Il est en train de regretter d'être monté, si tu veux mon avis. Reste au milieu, Scoop! Ne t'éloigne, c'est ton équilibre! Mini-Gru? Il faut que tu redescendes la nacelle. Scoop est à bord. Bien reçu, Bob. Je le fais tout de suite. Oh, mince! Oh non! Oh non! Où est-il passé? Scoop, tu vas bien? Oh non! Je me tiens en équilibre, mais ça n'a jamais été mon point fort. Comment on va le sortir de là? Je crois que j'ai une idée. Mini-Gru, descends-moi la nacelle immédiatement. Zoé, on va avoir besoin du matériel de soudure. D'accord, Bob. Moi, je vais aller chercher les masques. C'est parti, Mini-Gru. Emmène-moi là-haut. J'arrive. Reste bien droit. Ralentis. Et stop. C'est parfait. Scoop. Bob. Je te demande de rouler lentement jusqu'à moi. Je suis incapable de bouger. Il le faut pourtant. Je dois te faire redescendre. Je te demande de me pardonner, Bob. À cause de moi, l'ascenseur ne sera pas prêt pour Madame le maire. Ce n'est pas grave. Allez, avance dans ma direction. Je ne peux pas. D'accord. Dans ce cas, c'est moi qui vais venir à toi.